Alors je viens sonner l'alarme. Ouais, la jeunesse gabonaise. Pour la jeunesse gabonaise, laissée au banc des touches, je viens sonner l'alarme car les signaux sont au rouge. À l'ENF, l'ENA, les PCA, les NAM, aux travailleurs gabonais maltraités par l'État. Pour la jeunesse gabonaise, laissée au banc des touches, je viens sonner l'alarme car les signaux sont au rouge. À l'INGS, au cadastre, à l'énergie, aux affaires sociales, au budget, à l'agriculture, etc. Monsieur le Président, je vous adresse quelques lignes dans l'espoir de toucher votre cœur, vous qui nous avez promis des meilleures conditions de vie dès votre investiture. Mais depuis, la jeunesse est plongée dans un chômage chronique, bombardée par la police lorsqu'elle revendique pacifiquement des postes budgétaires à la fonction publique. On observe une accumulation de plusieurs promotions sortant école en attente de leur intégration. On veut l'égalité des chances pour tous les ministères depuis plusieurs années. Les mêmes sont dits prioritaires pendant que des fonctionnaires fantômes touchent des salaires. C'est la misère pour les retraités civils et militaires, comme pour les stagiaires dont les réclassements ne voient pas le jour. Le gouvernement joue les sourds pendant qu'on crie au secours. C'est urgent, il faut agir et maintenant, Monsieur le Président, avant que ça finisse en bain de sang. Il en a fallu de peu, ce mercredi ou de manière brutale, les bombes lacrymogènes ont fait taire l'hymne national. Ouais, les signaux sont au rouge, le dialogue est rompu. Pour que les choses bougent, pourquoi avoir toujours recours à la rue? On parle de crise, mais les détournements se font à coups de milliards par ceux-là qui dans l'impunité s'élisent au-dessus des lois. Chapeau à ceux qui se battent pour l'intérêt général. Ondo et la Remiyama, Aminata, Pierre Missa. Quand l'injustice est une loi, la résistance est un devoir. 6 ans service, sans salaire, c'est trop. Comment expliquer ça? On veut bien croire à votre bonne volonté politique, mais pourquoi sont toujours les mêmes qui en savourent les fruits? Pour la jeunesse gabonaise, laissée au banc des touches, je viens sonner l'alarme car les signaux sont au rouge. À l'ENF, l'ENA, les PCA, les NAM, aux travailleurs gabonais maltraités par l'État. Pour la jeunesse gabonaise, laissée au banc des touches, je viens sonner l'alarme car les signaux sont au rouge. À l'INGS, au cadastre, à l'énergie, aux affaires sociales, au budget, à l'agriculture, etc. Tu te demandes ce qui ne va pas ici, et ouais, on fight ici. Sinon, face du ministère, on envahit le site. Même si des voix incitent à ce qu'on nous fasse taire, on ne mettra pas de genoux à terre pour des conditions de travail illicites. Pris en otage, 8 ans que je suis stagiaire, mon dossier stagne quelque part sur une étagère. L'étagère, l'évolution de nos points d'indice sur la pointe des pieds. Mais quoi qu'on dise, moi je pointe au piquet de grève. La jeunesse est sacrée pour le sacré. Dans le chômage, on la zappe, on oublie qu'elle crève. L'État nous fait ça dur, ça me fronce les nerfs. Alors que ce sont les mêmes noms qui hantent le statut de fonctionnaire. Avec des règles que tout type de réseau dicte pour les mêmes résultats. La tutelle multiplie les audits. Recrutement, je l'ai. Intégration, je l'ai. Avancement, je l'ai. Titularisation, je l'ai. Tout ça nous stresse, nos buts nous tient au sol. Est-ce qu'on y est presque ou on regresse? On ne veut plus d'un tel désordre. Putain de sort, ce qui me désole, certains meurent sans avoir touché, ne serait-ce qu'un bulletin de solde. Tu le sens, le panier de la ménagère est troué, floué en panne. On vit au jour le jour sans épargne, comme une fleur fanée dans le vent, affamé en vent, nos services à l'État, femme et enfant sur le dos. Jeune diplômé, je vis de quoi? On nous promet des tas de formes, la victoire, c'est ma dignité. Il est temps que les uns s'alertent, si tant est que tout travail mérite un salaire. Yo. Pour la jeunesse gabonaise, laissée au banc des touches, je viens sonner l'alarme car les signaux sont au rouge. À l'ENF, l'ENA, les PCA, les NAM, aux travailleurs gabonais maltraités par l'État. Pour la jeunesse gabonaise, laissée au banc des touches, je viens sonner l'alarme car les signaux sont au rouge. À l'INGS, au cadastre, à l'énergie, aux affaires sociales, au budget, à l'agriculture, etc. Pour la jeunesse gabonaise, laissée au banc des touches, je viens sonner l'alarme car les signaux sont au rouge. À l'ENF, l'ENA, les PCA, les NAM, aux travailleurs gabonais maltraités par l'État. Pour la jeunesse gabonaise, laissée au banc des touches, je viens sonner l'alarme car les signaux sont au rouge. À l'INGS, au cadastre, à l'énergie, aux affaires sociales, au budget, à l'agriculture, etc. Le président de la République doit automatiquement savoir que la paix sociale n'a pas de prix. La paix sociale n'a pas de prix.